Bonjour et bienvenue, on est de retour dans plus de Wartels. On va continuer notre petite péripétie, j'ai envie de dire, dans les mers du DLC. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, on n'a plus de ressources, c'est vrai. Ouais, il nous faut de la nourriture, comme ça, là, pour pouvoir faire sécher. Notre pêcheur. Pêcheur, il est là. Ah, bien, toi t'as qu'à le remplacer pour le moment. Même si honnêtement on n'a pas besoin de deux personnes. Une seule suffit je crois pour avoir les bonus, donc c'est pas vraiment intéressant. Mais bon, comme ça c'est fait. Ghost il est occupé là. Ok, 3, ça va. C'est parti, on continue. Donc on est ici nous. Donc on a un certain Hector Alio cherche un équipage capable de se le conduire sur l'île maudite. Ou alors on va faire de l'argent. La dernière fois on n'avait pas fait trop de combats, donc honnêtement j'ai bien envie de faire du combat. Genre enchaîner un peu les combats et tester un peu les nouveautés là qu'on a. C'est où, c'est par là. Sud-ouest, pirates. Ils sont là. Ah oui, du coup, on a ça. Let's go. Niveau 13, ça va. On avait des champs qui étaient pas, qui avaient pas d'étoiles. On peut peut-être les capturer, mais bon, c'est niveau 13. Le mieux serait niveau 14, quand même. Alors, fais voir un peu. Alors ouais, on a des gens qui ont été blessés. Alors, on fait voir un peu les gens sans étoiles. Non, mais ils sont pas vraiment intéressants. Non, ils sont pas intéressants. Alors, on va essayer d'aller vite. On va pas vraiment utiliser la baliste. C'est pas super super intéressant. Honnêtement c'est intéressant pour tirer sur notre équipe. Et comme ça bah, les gens ils se fâchent. Ça c'est bien ça. Elle est où Laura? On trouve pas. Elle est là. Merde, je peux pas regarder. Ah putain, elle va pas passer. Je n'avais point regardé. Deux points, voire un point, c'est bien. Oh, qu'est-ce qu'elle fait mal maintenant? Elle fait encore plus mal qu'avant, du coup. On a, la dernière fois, on a trouvé l'endroit pour augmenter les armes et tout ça. Le camp d'entraînement de la fraternité, donc on a augmenté quelques trucs. Et j'avoue que ça fait assez mal. Il y a le... Excusez-moi. Il y a l'ours qui nous gêne. Ok, tout le monde va tomber au même moment. C'est super. Par contre, ils vont tomber exactement au même endroit. Ménette va peut-être avoir un problème. Ah, il y a une graine qu'il faut tester. J'avais complètement zappé aussi. Voilà. Toc toc. Très bien. Ouais. Très bien.
va être chaud. T'as pris la mauvaise personne. T'as pris la mauvaise personne. Alors... Elle est où une graine? Évidemment, je l'ai mis tous en arrière. Ouais, alors vas-y. Avec ton nouvel arc là qui fait deux fois la taille là. Ah, très bien. En plus t'as un bonus de dégâts. Alors, fais voir un peu. On peut tirer sur lui? Tu as les psychopathes. Les sociopathes. Les sociopathes. C'est un peu dangereux de le tirer dessus alors qu'il est occupé, mais... Voilà, on fait ça. Ok. Je sais, c'était un peu... Ouais, voilà quoi. Mais ça va, ça va. Il y a pire. Non, 1300 avec cette attaque, putain. Ouais, c'est... Je pense qu'on a pris un bon arc, là. Je pense que c'est pas mal, ce qu'on a fait. Alors... Ménette, bah tiens, Ménette, tu peux sauter, du coup. On va envoyer des gens, hein, juste sauter, puis on tue tout le monde en sautant. Je vais voir un peu le... Okay. Très bien. On les laisse partir pour aller plus vite? S'ils veulent partir? Ils ont quoi? Ils ont de l'équipement niveau 13, pas très intéressant. On les enchaîne comme ça? Ouais, ça va être bien parce que là on a quand même beaucoup de... Ouais, on a beaucoup de choses à faire. Donc ça c'est intéressant. Le bouclier il a pas l'air top top. Mais bon. Par contre tu m'as donné quoi? C'est quoi un éventail ça? Ah ouais, un éventail. Bah bien. Très bien. Quoi ça? Complètement quitter la ville pour se rendre dans une ferme isolée. Ah, mais c'est dans la... sur les terres, je crois, le reste des... Oh, merde. Je crois que c'est sur des combats sur les terres. Ah, je veux faire des combats en bateau, moi. Ça, parce que ça va trois fois plus vite. On peut vous tirer dessus. Oh, pardon. Non. Ok. Ah, ça aurait été marrant, tiens, qu'on puisse leur tirer dessus depuis, depuis le bateau. Ça serait cool. Là pareil, encore une fois, c'est pour aller plus vite, hein, parce que sinon on va passer 3 heures à chaque fois. C'est un peu relou. Déjà que je suis un peu obligé à chaque fois de faire attention à comment je place mes jambes par rapport à Ovation là qui a changé. Alors... Laisser du monde là.
Ce groupe là on va le laisser. Voilà, très bien. Alors, il est où le chef? De tuer le chef, ça casse vraiment pas mal la volonté. J'avais vu des gens qui me disaient « Oui, si tu tues le chef, il s'enfuit tout le temps. » Pas du tout. Pas du tout. On a fait des milliards de fois où quand on tuait le chef, les gens partaient pas. Ça dépend de la volonté, en fait, tout simplement. Mais le chef, il a beaucoup de volonté, en fait, par rapport au... Enfin, peut-être... Oui, non, si, il a plus de volonté que le reste. Il a toujours une vingtaine, à peu près. Donc, c'est pour ça que c'est plus... C'est plus prenant, en fait. Et ça permet de les faire fuir la plupart du temps. Tiens, on va tester un peu. Fais voir un peu comme ça. J'aurais dû envoyer Laura, mais je voulais un peu tester. Hop, saignement, non. Ouais. On n'a pas eu grand chose en fait. Alors fais voir un peu. On fasse des tests. Ah donc il fait comme ça. Ok, intéressant. Ah du coup ça l'engage pas. Vous voyez là ça me... Là ça m'embête là. Là ça m'embête complètement de pas pouvoir m'engager. C'est vraiment pas intéressant pour moi en fait. Cette épée. Après c'est sûr que c'est sympa hein, le coup du saignement. Hein, mais... J'ai bien envie de remettre l'autre épée hein, quand même. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, une grane, est-ce qu'on peut faire quelque chose d'intéressant? Là, j'ai quoi? J'ai qu'une seule personne de mon groupe. Très bien. Je joue comme un bourrin. Je vais être franc, je joue comme un bourrin là. Très bien. Vous voyez, on a tué le chef. Ils partent pas, hein. Il faut qu'on atteigne cette... Là. Il y a aussi une chose avec elle, j'avais envie de lui remettre la... L'attaque en fait qui permet de faire des AOE au lieu de lui mettre riposte. Peut-être que ça redeviendrait intéressant maintenant pour elle. Parce que vu que je me suis habitué par rapport à la bravoure, que maintenant je la gère bien,
en extrême, je pense que peut-être je peux lui remettre. Qu'est-ce qu'on va utiliser ? Un peu plus de monde que prévu. Je pensais qu'on allait les faire fuir, mais... Il faut être en attaque. Okay. Ah, super, cette animation. Elle est terrible. Ah non, t'es sérieux? Non. Il manque quasiment rien. Ah là là. Alors fais voir un peu les dégâts, toi. 567. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, vu qu'il ignore la garde, c'est devenu intéressant, je pense. Qu'est-ce qui manque? Parfait. J'espère qu'on va pas devoir tuer ce groupe-là, là. Bon, après, c'est vrai qu'ils sont nombreux, en fait. J'aurais dû mettre une personne avec une AOE. Ouais, j'aurais dû vraiment faire ça. Maintenant, c'est un peu trop tard. Je peux plus les booster en fait, pour qu'ils courent plus loin. Les animaux. C'est bon. Des fois ça fait un petit boost. Alors, c'est du... Ça c'est du déserteur de toute façon. C'est intéressant, j'aime bien aussi, mais... sinon, je suis désolé, mais on va changer l'épée. Bon, on a vu maintenant l'animation, c'était cool. On a vu l'animation, donc il tape et après il met un coup de pied en fait. C'est pour ça qu'il repousse. Et c'est vrai que le saignement, j'avoue, le saignement à 100%, c'est intéressant. Mais voilà. Mais Migek, je crois que je vais vraiment lui remettre ça, hein, le maître d'armes. Je l'avais enlevé parce que ça coûtait 3 points maintenant. Mais bon, je pense que je peux me débrouiller maintenant avec. Avec la bravoure. Et je sais pas si elle peut récupérer un point à chaque fois. Quand elle tape. Oh, c'est ça le repère. Ah, du coup, il faut tuer des gens autour. Il y a 3 étoiles. 3 crânes. Un repère est trop puissant. Il faudrait certainement l'affaiblir avant de l'attaquer. S'occuper en d'autres côtés dans les régions. Dans la région. Je vais être honnête, dans un sens, on pourrait quand même le faire, le combat. On pourrait vraiment le faire. Ça me fait pas vraiment peur, en fait. Attendez, venez, vous. Oh. Allô? Allô? Venez dans la forêt. Venez dans la forêt avec moi. Voilà. Ah, ces forêts de merde. Je me suis dit, quand je commençais à tourner avec la petite ouverture, je me suis dit, tu vas voir, ça va plus être considéré comme une forêt. Ça va foutre le bordel monstre et puis voilà. Super. Ah, c'est la Légion. La Légion, ils sont chiants. Ils font du saignement tout le temps, là. C'est trop lourd. Bon, après, il y a quoi? Il y a 3, 4 groupes. 4 groupes. 4 groupes.
Ah, évidemment, le chef, il est loin. Mais... évidemment. Alors, il nous faut des gros... qui peuvent faire des AOE. Alors, on va prendre... voilà. Ménette, Silea, ça suffit, honnêtement. Ménette, Silea et Mara, ça suffit largement. Pour quasiment anéantir tout le monde. Ok, allez où Laura? C'est compliqué hein, de trouver les gens, même avec leur nom honnêtement, moi je j'arrive pas à trouver les noms direct. Ah Laura est là, quoique. Ouais. Alors ça va être l'archer en premier. Ça m'embête que le sanglier, que elle se, ça remonte en fait la, le moral, la relation avec les animaux, ça c'est très très chiant, du coup elle devient de moins en moins forte en fait, très très relou ça. Attaque. Bien. J'ai bien envie de faire le camp avec les renforts et tout, moi. Ça me dérange pas plus que ça, en fait. Je vais être franc. Chier avec leur saignement. Mal, hein. Moi aussi. Ouh, on n'a pas de... on n'a pas de... d'AOE ici. Enfin, quoi qu'on puisse débrouiller. Après j'ai pas trop de bravoure en fait, j'aurais bien voulu être bravoure max en fait. Mais bon. Ça, ça marche. Non. Une brochette. 3 ou pas? Yes.
Très bien. Donc ça c'est notre groupe. Alors là on va y aller avec Mara, tu peux faire un gros boum boum. Très bien. Et après, là. Très bien. Toi, techniquement, on peut continuer. Est-ce que je peux en toucher 3? Yes! Très bien. Joli. Joli, joli. Où est-ce qu'il est notre ghost? La ghost. Eux ils sont touchés donc c'est pas intéressant. Ghost il va one shot lui. Voilà. C'est pratique de jouer comme ça. Est-ce qu'il va tirer ou pas? Non, c'est pas. Waouh! Tiens! Ça va pas la tête! Oh, ça marche comme ça aussi! Que cool! Ça va pas la tête de balancer des flèches en mousse là! Incroyable les gens! Aucun respect quoi! Aucun respect! Ça fait mal ce truc. Qu'est-ce que ça fait mal. Bon bah on a bien fait hein, de prendre ces arcs là. Ils sont très intéressants. Ouais c'est bon. Ils sont très très intéressants ces arcs. Yes. Ça c'est cool ça. Bon c'est niveau 13, pas le top mais... Bah c'est bien parce que j'en ai des armures lourdes, elles sont jolies en plus, et armure intermédiaire, il m'en reste encore, je crois. C'est les casques en fait qui me manquaient surtout. Surtout les casques. Bon après, bon, on a quoi? On est à 9 sur 14. C'est un peu chaud, hein. Plan de pirate. 9 sur 14 sur un combat qui peut durer genre plusieurs tours. Ça va être chaud. A bit of advice, mercenaries. Get out of here. We got bigger problems than you right now. Okay. Là, on a des pirates. Enfin non, ce sont pas des pirates, c'est juste des méchants, quoi. Waouh, vous avez gros, vous agro, vous agroez, ça se dit ou pas? De super loin. Ils ont pas de crâne non plus. C'est bizarre pourtant. Ils disent qu'ils sont dans la région, mais bon. Oh, il y a un truc à inspecter. Non, 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 là. Qu'est-ce que tu fais? Bon, d'accord, on pêche d'abord. Oh là. Faudrait que je monte un autre pêcheur aussi, encore une fois. Mais ouais, je... Je sais pas si on va le finir par contre l'épisode dessus. Hein. Parce que le combat il va être long. Hein. On va essayer. Moi je dis pourquoi pas. Et au pire j'arrêterai un peu avant. 9 sur 14 en bravoure pour un combat qui dure plusieurs tours. Faudra juste faire un peu attention. Faudra bien placer les gens par contre.
Bien placer les gens, bien placer les archers et tout ça. Secret. Ah, il y a des gens là. C'est vrai qu'après on n'a pas fait l'île, hein. On n'a pas fait l'île entière. Il y a des gens là, j'ai vu des gens. Ah, c'est des ours. Ah, il y a des ours. Ah, s'il faut, il y a des ours niveau 14. Parce que la zone, elle est haut niveau. Donc c'est peut-être des ours niveau 14. Donc si vous cherchez un peu comme moi à faire des ours niveau 14... Oh mon dieu. Oh mon dieu, leur visibilité, elle est ouf. Et vous croyez que ceux-là, ce sont des renforts de là ou pas? Parce qu'il n'y a pas de crâne hein, à côté. Normalement, il y a un crâne, hein, comme ça, là. Bon, bon. Je sais pas, moi j'ai bien envie d'y aller. Ils sont pas très nombreux, je trouve, en début. Allez. Ils ont pas l'air d'être extrêmement nombreux, parce que moi j'ai combattu des trucs plus gros, plus nombreux, hein, honnêtement. Niveau 15. Hein. Ils sont que 30, honnêtement, j'en ai des combattus où ils étaient 40 dès le début, hein. Bon, par contre, le terrain, c'est pas vraiment mon terrain favori, la façon... Alors ceux-là déjà non, on va pas se mettre là. Déjà ouais, on va pas se mettre là. On fait voir, donc déjà là il y a personne, c'est bon. Donc là on a un mur, tac, comme ça. Après on a un groupe, alors c'est combien de groupes? C'est 4 groupes. Un groupe, deux, trois, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ah, ok. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Il manque des gens. Ils sont où? Ah, il y a un groupe perdu là-bas, quoi. Ah, les enfoirés. Ah, mais c'est fait exprès. Ok, d'accord, ok. J'ai déjà combattu des gens comme ça. C'est fait exprès. C'est parce que eux, vous pouvez pas les tuer, en fait. Jamais, à moins qu'on reprend Ovation ou alors que vous ayez vraiment des personnages ultra pétés ici qui aillent les tuer. Mais on va devoir se taper les renforts, obligé. Ok. Parce qu'on peut pas se placer ici. Ouais. On va se taper les renforts. C'est pas grave. C'est pas grave, du coup, pour nous, ça nous permet de consolider, en fait, nos rangs, en fait, c'est pas important. Alors, on va faire des tanks un peu. On va faire une belle ligne là. Il me faut un ours. Il me faut un ours genre ici. Ceux-là, on va les éliminer. À la limite, on peut même ignorer ceux-là, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut tous se mettre ici? Ça m'étonnerait. Non, 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 on va pas faire ça. On va pas faire ça. Ça. Donc là, il me faudrait des gens pour bloquer ou alors un ours à la limite. Peut-être reprendre l'ours ici. Tac, il me faut des archers. Ingran, tu peux, ouais, tu peux faire très mal. Ok, là c'est pas mal. Histoire d'avoir des tanks, des gros mêlés. Très bien. Laura, tu vas plutôt te mettre ici pour toucher le plus de personnes possible. Les animaux vont surtout servir de... Attendez. Que je réfléchisse un peu. Un archer qui joue en premier, ça c'est vraiment juste pour me faire chier quoi.
Ok. Très bien. Celui-là, on s'en fout. Après, il y a eux. On va directement lâcher Diohan en plein milieu. Très bien. Très bien. Ouais, ça risque de durer longtemps, parce qu'on va avoir des renforts. Et puis eux, ils vont mettre du temps à venir et tout ça. C'est pour ça que j'aime bien aussi foutre le feu, parce que le temps qu'ils viennent, ils brûlent en fait. On peut toujours mettre le feu, mais j'ai pas mis un archer prêt en fait. Enfin, c'est pas grave. C'est pas très grave. En parlant d'archer. On va faire comme ça. Bien, toi tu vas aller où? Même toi tu peux taper à distance, toi t'es un peu relou pour ça. Ok, très bien. Eux ils font pas de poison, rien, dans mon sens c'est pas vraiment important. C'est pas très grave. Ok, toi très bien, tu vas sûrement te suicider sur Diohan. C'est cool. Là, il faudrait qu'ils soient regroupés. Il faudrait absolument qu'ils soient regroupés. Ok. Ah, ça peut être dangereux. Le fait de buffer tout le monde. Yes, il a eu un point parce que... Mais je sais pas. Ou il s'est engagé ou c'est parce qu'il s'est fait taper. L'un ou l'autre. Donc c'est comme ça qu'on fait hein, pour les combats de... où il y a beaucoup de gens. Lui, il faut le virer. Faut virer en fait tous ces gens-là. Là, ils servent à rien. Enfin, ils servent à rien. Ils sont un peu au milieu, ils sont chiants. C'est pas vraiment des murs, rien du tout. Mais j'ai pas envie qu'ils nous fassent mal en fait. Hop, très bien. Voilà, parfait. Et après, faut bien garder les gens en groupé. Parce que les renforts peuvent arriver en plein milieu de nos rangs, hein, comme d'habitude. Si vous avez vu d'autres vidéos de ce type-là, je suis sûr que vous avez l'habitude. Mais là, il faudrait vraiment qu'ils se regroupent, que je puisse faire en fait quelque chose, que là, je peux pas faire grand chose. Il y a toi qui fais un peu chier. Toi qui fais un peu chier. On va aller là, parce qu'il n'y a plus de grand monde ici. Alors... Très bien. On pourrait, ouais. Parfait. Ce que j'aime bien, moi, c'est bloquer avec l'ours, comme ça ils se mettent tous. Là, c'est pas mal. Là, on a un bon truc là. Bah là, on a un trio gagnant là, par exemple. Est-ce que... Ah, yes, là on a un trio gagnant. Voilà, bien joué les mecs.
Pour l'instant, on gère très très bien notre bravoure. C'est très important. C'est vrai qu'on la gère nettement mieux maintenant avec les nouvelles huiles. Rien que les huiles qui peuvent... genre pareil. Je vais attendre peut-être que lui qui l'avance, voir s'ils peuvent pas se mettre à côté. L'huile qui permet de récupérer de la bravoure. Il y a peut-être lui aussi... Il a dégâts d'opportunité. Je vais peut-être lui enlever dégâts d'opportunité. Et je vais faire en sorte que s'il se fait, taper... Il prend... Il a une chance de... De récupérer de la bravoure aussi. Je crois que je vais faire ça aussi. On a toujours Phylac qui peut aller empoisonner. C'est vrai qu'on a ça. C'est vrai qu'on a ça. On a 3 points. Est-ce que ça vaut le coup de le tenter ? Je vais tenter un truc, c'est un peu... osé. Okay. T'es à combien de mètres? 40 mètres. La zone d'effet, ça va pas vraiment m'aider. Est-ce que tu vas devoir faire ça? En fait, je voulais mettre un nuage. Non, mais on va pas le faire. Non, c'est débile. Non. Je voulais mettre un nuage de gaz en fait. Celui-là, le 3 là. Et comme ça, ils vont marcher. Le gaz, mais bon, c'est trop petit en fait. Ah, il m'a désarmé. Désarmement. Ouais, c'est trop petit en fait la zone. Ça va, c'est du gâchis. Il y a très peu de chances en fait qu'il passe dessus. Donc non. Non. On va tuer les deux là. On va garder les coups d'éclat. Quoique, il y a un coup d'éclat qu'on peut tester, qu'on peut faire. C'est un coup d'éclat que je fais jamais. Attendez. Et Migeg. Alors, qui tu pourrais buffer, Migeg? Je vais voir un peu. Putain, la zone, elle est tellement petite, quoi. C'est joli hein, le zèle hein. C'est stylé hein. Mais c'est un peu le truc que vous faites jamais quoi. En plus cette épée elle est bien pointue hein. T'inquiète pas que elle rentre direct hein. C'est du beurre hein. Grand monde en fait. Très bien. Johan lui risque rien. Ah s'ils avaient été tous paqués, ils seraient tous morts. Hein. On n'aurait même pas eu de renfort. Il y aurait eu zéro renfort, ça c'est sûr et certain.
Maintenant, c'est un peu plus délicat, parce qu'on va avoir du renfort. Je vais voir le berserker si t'es toujours aussi bonne. C'est chaud. Ah, c'est mieux. On reste près des animaux et tout ça, on essaye toujours de rester paquet. Mais là, vous voyez, moi, ce que j'aurais fait avant, c'est mettre du feu, mettre du poison, et les laisser venir. Mais c'est vrai que là, bon, on n'a plus trop de de poison sur nous. Je crois qu'on a qu'une personne qui a du feu. Mais le poison, non plus, c'est qu'on... Enfin, voilà, quoi, c'est... Ça permet de garder des points de bravoure pour le moment et de les attendre. Parce qu'on leur fait tellement mal, de toute façon, c'est pas très très grave si on les tue pas petit à petit, vous voyez ce que je veux dire. Une fois qu'ils seront à la portée de nos lances, c'est fini, il n'y a plus personne. Alors, attaque. Très bien. Parfait, parfait. Ça, c'est embêtant, ça. 155, faut voir ça. Ça va être long. Enfin, après, il y a combien de renforts? Oh la merde. On va pas le finir maintenant, le combat. On va pas le finir, je peux... ça c'est sûr. Sinon, ça va prendre trop de temps. Mais ouais, on va devoir se taper tous les renforts qu'il y a. Absolument tous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peupler un peu ici. Comme ça, il y a plus de choix. Il n'y a plus que lui. Ouais, ils sont pas beaucoup, hein. Mais voilà, quoi. Zelle. J'aurais bien voulu que Zelle soit plus large. Et là, ça aurait été... Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il prend la plante. Ça aurait été intelligent que, intéressant que Zelle soit beaucoup plus large en rayon d'action. Ou alors qu'il fasse... parce que là, ça fait critique et dégâts critiques, je crois, plus 20% ou 30%. 30%. C'est bien, hein, c'est vachement bien. Mais c'est vachement bien, je dirais, surtout pour le début de niveau de jeu. Après, ça devient quasiment bof. C'est vraiment pour les dégâts critiques au final que vous voulez peut-être l'utiliser, mais c'est tout. Mais après, le 30% de critique, vous en foutez un peu, quoi. Parce que vos stats sont tellement élevés. Vos stats sont tellement élevés à un certain moment que vous en foutez. Non, mais ils auraient dû mettre inspiration dans le... Dans le truc. Dans le buff. Alors, fais voir. Ils sont où? Ouais, ils sont un peu sur nous. Ouais. Ils sont un peu partout. Ouais, va falloir faire des murs. Pas trop grave, mais ils ont un peu le pop facile en fait ici à l'intérieur. Par contre, là on pourra faire un mur, il n'y a pas de problème, mais ici il va falloir s'en occuper. Deux.
mal tombé, toi, en plus, tu meurs direct. Mal tombé, toi. Faire gaffe à eux. Très bien. Il y a du monde là, même pas. Même pas. Johan, il fera le mur à droite. Je suis sûr qu'il pourrait tuer tout le monde. Vous voyez, 127 de dégâts, c'est immense. Faudrait tuer lui là, il est chiant. Après tout le reste, je crois qu'ils sont hors de portée. Peut-être les archers peuvent toucher, mais je suis pas sûr. Lui il est un peu loin en fait, il est relou. Hein. Ok, pas mal. Leurs archers, par contre, ils sont dangereux, ils font mal. Ouais. Bon, ça dépend sur qui. Oh mon dieu, quel carnage. Oh la vache. Ça dépend sur qui. Mais on va laisser l'ours là. Aïe aïe aïe. Très bien. Là on a quoi? Ça, ça. On peut se débrouiller. Je voudrais bien finir lui là, parce que lui il m'embête. Ouais, il n'y a pas grand monde qui peut l'atteindre. Ah, ils ont plus. Ah, ça c'est embêtant, ça par contre. Je vais pas utiliser Ingran. Putain, c'est bête qu'elle ait plus le feu maintenant. Donc, on a cette opportunité. Évidemment, toi tu peux. Oui, évidemment. Bon, on va le faire. Je voulais la garder parce qu'elle elle peut buffer, donc du coup si jamais on en a besoin. Très bien. Ouais, il n'y a que les archers qui peuvent être dangereux. Là, ils vont sûrement se paquer. Il faudrait quelqu'un pour tanker. Oh bah, mais net en fait. Oui, tu peux les massacrer en fait. Ouais. Tu peux les massacrer. On va attendre le prochain tour, je crois, et on va arrêter l'épisode là, on va voir un peu ce qui va se passer.
En plus, ils sont vraiment tous loin à chaque fois. Je sais même pas qui jouer. On va un peu éparpiller les choses. Si jamais ils réapparaissent encore là, et ils vont sûrement le faire, on va devoir mettre des gens ici. On n'a toujours pas utilisé un seul point de bravoure. C'est que de la bravoure temporaire qu'on a. Donc c'est très bien. De toute façon, on est hors de portée de tout le monde. Alors ça, on va mettre un peu plus de loups ici. Trois loups, un lézard, c'est bien, ça va nous aider. J'en ai fait les bien pires hein, des combats comme ça, donc il n'y a pas vraiment de problème. On pourrait faire en sorte que peut-être on a des points de bravoure, on a 3. Ingrand se mettre en joue à la limite. Ça peut être intéressant. Je vais voir là. On tire sur ça? Non, on peut tirer sur ça. Voilà, pas mal. Et on va faire comme ça. Bon, c'est 3 points quand même. Hein. Mais ça devrait tuer tout le monde qui arrive. Ouais. Parce qu'avec son nouvel arc, elle fait très très mal. Les dégâts sont très élevés avec son nouvel arc. Et ça, c'est assez impressionnant, ça, je trouve. Lui, on va le tuer parce qu'il a déjà bougé, je crois. Très bien. Ah ! Saloperie. Ah ouais, pour mal. Font mal. C'est un peu le danger parce qu'à chaque fois ils font fougue et ils se buffent tout le temps. Donc là ils ont 3 fois, ils ont dégâts de 30%. Donc ouais, elle a pris cher. Elle a pris très cher même. Donc va falloir faire attention à nos archers. Va faire très attention à nos archers. L'ours, ça devrait aller. Ouais. J'aurais pas dû faire ça avec mon archer, de la mettre comme ça. C'est prendre des risques pour strictement pas grand chose, franchement. On va devoir les attendre, c'est un peu relou. Là, c'est un con.
combat vraiment chiant par contre. Après ça va commencer à aller plus vite quand ils seront vraiment paqués. Toi tu peux peut-être aller là-bas pour aider, non? Enfin quoique non, maintenant t'es trop loin. Honnêtement, normalement, ce que je ferais moi, c'est je les laisse vraiment venir, même à passer plusieurs tours sans rien faire. Là, j'attaque un peu, c'est pas très très conseillé, on va dire. Mais bon, normalement, mes mecs ils sont très résistants, hein, mais bon, c'est juste faut faire attention quand même. Hein. Toujours assez faire attention. Aller aider là. Oh là là. Ils vont tous tour. Par contre, ça c'est mal fait. C'est tous leur tour. Je crois qu'on a fini, nous, quasiment. Ouch. On a beaucoup. On les regarde jouer. Après ça peut être dangereux hein, si vous avez des mecs isolés et tout ça et qu'ils commencent à tous venir. Là c'est bien, là ils commencent à être bien paqués. Juste Ingran là, faut qu'on fasse attention. Lui aussi là, notre nouveau copain là. Notre artilleur là, faut qu'il fasse attention. Tout ça, son armure descend. Un peu trop. Ah, ils prennent feu parce qu'ils ont fougue au max. Ah oui, c'est vrai. Faut plus 7 ou un truc comme ça. Ok, ils sont 57. Alors, est-ce qu'on a des gens? 1, 2, 3, 4, ça va. 5, ça va. On a quelques-uns là. Là, il y en a beaucoup, mais on va pouvoir bloquer. Et là, ça va aussi. Ça va, on va gérer, vous inquiétez pas. En tout cas, on va s'arrêter là, parce que sinon ça va être vraiment trop long, parce que là, ça va encore nous durer une trentaine de minutes, parce qu'on a encore des renforts après. Donc on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.